concerns for scarce water resources mean that by 2050, more than 5 billion people could have restricted access to fresh water. However, there is an effective approach to sustainably sharing and safeguarding the world's limited water resources. Integrated Water Resources Management is a comprehensive framework for managing water resources, balancing social and economic needs while protecting ecosystems for future generations. Those countries that have effectively implemented IWRM have seen clear benefits and are leading the way in sustainable water management. However, data from Indicator 651 shows that many countries are lagging behind. To accelerate IWRM, we need to strengthen political will, improve cross-sectoral coordination, increase data collection, sharing and transparency, build technical and human capacity, and secure dedicated financing for IWRM. Without accelerated progress, we will fail to achieve clean water and sanitation for all. Countries must act now and safeguard the world's water resources. To find out how the UN Environment Programme, the Global Water Partnership, the CapNet Network, and the UNEP DHI Centre are supporting countries in IWRM implementation, please visit the IWRM Data Portal and the SDG 6 IWRM Support Programme. Hello, good morning, good afternoon, or good evening, depending on where you are in the world. Welcome Bonjour to this monde. Donc, bienvenue à ce webinaire. Merci de votre temps aujourd'hui, ce lundi, pour écouter et bien entendu pour contribuer, pour savoir donc, comment le monde gère donc, ses ressources en eau. Mon nom, c'est Colin Horn, je suis fait partie du partenariat mondial donc de l'eau. Nous avons un agenda très serré. J'espère que vous le trouverez donc très intéressant et utile à la fois. Donc, all of you will be muted. I'm sorry, I'm hearing an echo the translation. Извините, у меня появляется эхо перевода. Okay, all of the participants will be muted except for the designated speakers. If you have any general comments, please feel free to use the chat function. Monsieur. If you have any questions for the panelists, vous avez des questions pour les panélistes, nous vous demanderons de pouvoir les poser à travers la fonction Q&A. Donc, nous vous assurons de faire les suivis. Donc, et pour les questions donc, auxquelles nous ne pourrons pas répondre à cause du manque de temps. Donc, c'est un souci par rapport à la connexion. Donc, essayez de contacter donc, nos soutiens techniques sur le chat. Nous avons la traduction disponible en français, en russe et arabe pour s'assurer ce matin. Aujourd'hui, nous allons démarrer. Avant de commencer les choses, je voudrais demander à l'hôte de cette séance de pouvoir donc, jouer la vidéo d'introduction. Chers collègues, et merci d'avoir rejoint ce webinaire aujourd'hui pour parler des progrès que nous avons accomplis. Et par rapport à ce webinaire fait partie d'une série de webinaires donc, qui ont lieu chaque mois pour parler des progrès qui sont accomplis tous les mois par rapport à l'objectif du développement durable mondial en eau. Donc, je voudrais partager avec vous un message important par rapport au progrès général donc, que nous faisons. Et nous avons maintenant 6 ans au niveau de l'accomplissement donc, de l'SDG 6. Et ces données donc, mondiales ont été compilées par les Nations Unies l'année dernière. Donc, comme nous l'appelons SDG 6. Donc, les
Le niveau donc, de rapport donc, qui est un niveau incomparable est un outil clé donc, qui s'avère très utile pour les pays qui nous rejoignent aujourd'hui. Et nous remercions donc, chacun d'entre vous pour vos efforts donc, accrus, donc, surtout au niveau de ces moments difficiles donc, que nous traversons. Lorsque nous regardons ces données, cela confirme la tendance que nous avions vue en 2018, que nous sommes en retard par rapport au rattrapage des objectifs donc pour une meilleure gestion de l'eau. Donc, il y a des milliards de personnes à travers le monde qui manquent d'eau potable et d'hygiène de base. Environ 10% donc, de la population mondiale qui vivent dans des zones où elles font face à un manque accru d'eau. Et 1/5 des bassins de rivière donc qui sont affectés par les changements climatiques. Donc, nous remarquons qu'il y a un souci très grave par rapport à une bonne gestion de l'eau pour beaucoup de pays. Donc, nous avons besoin de vraiment accélérer les efforts que nous accomplissons, donc jusqu'à 4 fois plus pour certaines régions. Et nous avons besoin que les acteurs politiques à tous les niveaux donc, établissent des politiques donc, plus élevées. Mobiliser les actions que les gouvernements doivent mettre en place avec le secteur public, avec les États-Unis, de manière à pouvoir donc affronter les efforts que nous visons et améliorer donc les résultats. Nous avons appris au niveau de ce pays à partir de beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour l'amélioration des efforts, donc pour bien entendu mobiliser la volonté politique. Donc, nous allons utiliser ces informations de manière à pouvoir mieux guider les gens qui prennent des décisions et qui construisent, qui bâtissent les politiques à travers le monde. Donc, avec ces données, donc, nos objectifs, c'est de pouvoir donc, avoir donc, une plus grande collecte de données pour pouvoir nous permettre et permettre aux gens qui prennent des décisions de prendre des décisions donc plus adaptées. Donc, pendant que nous avançons, donc nous faisons appel à tous les acteurs de l'eau au niveau mondial, donc de pouvoir donc toujours contribuer à ce travail. Et j'espère que vous allez donc bien profiter de ce bilan aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et pour tous vos efforts continus pour de pouvoir faire des progrès pour assurer la disponibilité et bien entendu la durabilité donc de l'eau et de l'assainissement pour tous. Merci beaucoup. Et avec ces mots d'ouverture, donc maintenant, passons au public. Nous aimerions savoir donc, qui vous êtes et les travaux que vous avez accomplis avec le SDG 6. Donc, vous pouvez toujours vous rendre sur ce site-là, donc polev.com/GWP, à partir de votre téléphone ou votre ordinateur portable. Nous avons certaines questions pour vous. La première, c'est si vous pouvez, par exemple, nous dire, et d'où vous nous suivez aujourd'hui. Et nous avons vu qu'il y a quelques participants, donc en Europe du Nord et du Moyen-Orient. Nous avons également des participants venant de l'Inde, des personnes que suivent de l'Australie, de l'Asie du Sud-Est. Nous avons également un participant des Caraïbes, bon, au moins un. Donc, nous avons également un grand nombre de personnes qui nous suivent à partir de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Donc, c'est important. J'espère que tout le monde est capable de pouvoir participer et d'utiliser la technologie. Nous avons certaines personnes qui nous rejoignent de l'Afrique de l'Est. C'est très bien, bon à voir. Et nous avons une panoplie de participants intéressants aujourd'hui.
Maintenant, essayons de passer à la prochaine question. Quel a été votre rôle au niveau du SDG 6.5.1, pardon? Et alors, donc il y a, voici les options qui vous qui ont été communiquées. Donc oui, j'ai aidé à la coordination des consultations. Oui, j'ai fourni des contributions pour le sondage des consultations. Non, je n'ai pas eu l'opportunité de contribuer. Et puis non, pour la partie B. Donc cela n'est pas applicable à moi. Nous avons, par exemple, un très bon partage. Par exemple, il y a environ 24-26, environ un quart de vous, d'entre vous qui ont pris part aux consultations. Nous avons environ 37% de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité. Moins de 10% qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir participer. Donc, bien entendu, les données changent régulièrement parce qu'il y a beaucoup de mouvements par rapport au nombre de réponses que nous. Nous passons maintenant à la prochaine question. Donc, la prochaine question dit qu'en un ou deux mots, donc, qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour approuver la gestion de l'eau au niveau de votre pays? Espérons que la technologie sera de notre côté ce matin. Okay. Donc, les institutions donc fortes, par exemple. Donc, une gestion de l'eau. Donc, il y a bien entendu beaucoup de mots-clés. Donc, bien entendu, la coordination, la gouvernance. Donc, je devine qu'il y a beaucoup, peut-être, beaucoup de personnes qui opteront pour. Donc, il y a beaucoup de mots-clés. Donc, la transparence, l'institution, donc le financement collaboratif. Donc, c'est très bien pour l'avoir. Donc, l'éducation. Donc, il y a beaucoup de mots-clés qui sont, qui sont là et que nous pensons que vous allez les choisir. Donc, ces mots-clés ont été choisis par rapport aux remarques qui nous reviennent donc souvent, régulièrement. Je pense que maintenant nous sommes un petit peu stables. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de votre contribution. Et donc, bien entendu, c'est un très bon point de départ. En termes de pour la communication, et alors les messages. Alors maintenant, Maya va nous guider au niveau de ces. Donc, les éléments clés. Merci, Colin, et merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Mon nom, c'est Ma Bertoli. Je suis conseiller technique. Et maintenant, je vais vous donner un bref résumé. Par rapport à l'indicateur SDG 6.5.1. Donc, c'est pour la mise en place de la gestion donc de l'eau. Donc, ce rapport a eu lieu par rapport à l'année 2020, donc l'année dernière. Donc, il y a eu, c'est la première fois que cela a été fait depuis le rapport initial qui a eu en 2017. Donc, nous avons eu, donc, 56, donc, je veux dire, analyse. Donc, alors, le sondage donc, est constitué de 33 questions donc, par rapport à différents éléments de DWRM. La plupart des pays ont été d'accord avec les notes attribuées. Donc, alors vous pouvez voir donc, les différentes façons. Alors, la prochaine diapositive. En termes des principales découvertes, alors la note est
de très bas, très bas à très haute, donc nous avons eu des progrès modestes au niveau 2017. Donc nous sommes passés de 49% en 2017 à 54% en 2020, donc sur un total de 100. Donc bien entendu, nous avons eu, eu un changement intéressant donc sur la carte. Toutefois, nous avons plus de 80 pays donc qui est dans la catégorie ou bien dans la catégorie moyen à bas. En termes de régions, donc nous avons vu les niveaux les plus bas, les plus faibles au niveau de l'Amérique latine, de la Caraïbe, dans l'Océanie, de l'Asie centrale et l'Asie du Sud, et au niveau d'Afrique subsaharienne. Et en termes des barrières, donc nous avons vu, donc par rapport à ce que les pays nous ont communiqué, donc et un manque de volonté politique, d'engagement, un manque de coordination, de financement insuffisant, d'une capacité assez faible, bien entendu d'un faible contrôle et bien entendu d'un cadre légal inefficace. Donc pour gestion durable. Donc prochaine diapositive. Donc voici, bon maintenant il y a trois messages clés que je voudrais souligner. Donc passons à la prochaine diapositive. Un. Et de manière urgente, le taux d'implémentation de l'IWRM a urgentement besoin d'être doublé. Donc, pour que nous puissions être en mesure de pouvoir donc, atteindre les cibles donc, fixées pour 2030. Et le message numéro 2, et des progrès réels sont possibles, alors rapides sont possibles. Et si, lorsque nous avons, alors nous analysons les progrès effectués par les pays au cours des années, donc nous avons vu qu'il y a certains pays qui ont eu des progrès considérables et nous avons eu environ 45 pays qui ont eu des résultats qui sont assez près donc des cibles. Et bien entendu, la clé maintenant, c'est vraiment de pouvoir améliorer donc le progrès au niveau de ces pays, des pays et de pouvoir maintenir le momentum. Et les bons progrès sont assez près, donc je suis fixé. Et notre troisième message clé, c'est que donc, les affaires comme cela se faisaient habituellement, donc ce n'est pas une option. Il y a beaucoup de leçons valables, de grandes valeurs que nous avons donc collectées. Nous avons eu des exemples pragmatiques par rapport à ce qu'effectuent plusieurs pays. Donc, la clé, c'est de pouvoir donc, vérifier cela et voir comment nous pouvons mieux faire les mises en place. Donc, alors, il y a des informations clés. Donc, bien entendu, la première chose, c'est la volonté politique et la planification des actions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir des plans d'action spécifiques qui dictent exactement donc, voilà comment nous allons procéder. Donc, les approches que nous allons prendre donc, de manière à pouvoir donc, atteindre les objectifs de gestion des ressources en eau. Devons avoir gardé bien entendu. Cela doit se faire également au niveau des institutions nationales. Il faut bien entendu prioriser les bassins et il faut également qu'il y ait une participation inclusive. Et bien entendu, par rapport à la manière dont les ressources en eau sont gérées, et il faut avoir un cadre légal donc, qui puisse favoriser la mise en place ou l'implémentation des objectifs du RWM. Et
passe sur la prochaine. Alors, je vous dis merci. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Paul. Merci à vous tous. Thank you, Maya. And hello, everyone. My name is... Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Paul et je suis un conseiller donc, en chef. Dans cette présentation, j'aimerais partager quelques idées sur les ressources par rapport aux objectifs donc SDG 6.5. Donc, cela est basé sur la, le chapitre 6. Donc, vous pourrez trouver donc, beaucoup plus d'informations. Bien entendu, beaucoup de ces acteurs, donc, y compris vous, savez déjà au courant des différents soucis par rapport aux actions que la plupart des pays donc, entreprennent ou bien ont à entreprendre. Donc, les alors, bien entendu, donc l'un des défis a été de pouvoir donc établir les cibles, par exemple coordonner les stratégies et les arrangements de nos stratégies par rapport aux environnements. Donc, si l'on regarde au haut de la diapositive, nous avons vu que les pays qui sont dans les meilleures positions sont les pays qui assument les responsabilités institutionnelles pour pouvoir donc y mettre sur pied donc les activités donc IRWM. Et critiquement, il y a beaucoup de pays donc qui ont mis la phase sur la nécessité de pouvoir donc sécuriser donc un engagement politique pour pouvoir mettre en place donc les politiques donc les IRWM donc de pouvoir donc supporter plusieurs donc objectifs de développement de la gestion des ressources. Nous encourageons les pays de Donc, nous invitons les pays à pouvoir donc intégrer donc les différents secteurs à tous les niveaux pour pouvoir donc accélérer les aspects clés de la gestion de l'eau. Et il y a du soutien. Nous offrons du soutien au niveau de ces programmes-là. Maintenant, je voudrais toucher certaines des prochaines étapes par rapport aux efforts coordonnés. Donc, pour les objectifs 6.5. D'abord, donc les partenaires de développement durable, donc y compris donc le secteur privé, les ONG, les pays membres de l'ONU et beaucoup d'autres qui travaillent sur différents aspects de la gestion de l'eau, donc l'assainissement, l'irrigation. Et nous reconnaissons que tout le monde donc effectue du bon travail, mais nous encourageons les organisations donc de trouver une synergie de travail pour travailler ensemble et pour accélérer les progrès donc par rapport à 2030. Nous encourageons nos partenaires de pouvoir connaître les efforts. Donc nous avons bien entendu mentionné ici donc le secteur privé, pour ce que nous comptons leur contribution par rapport à l'accomplissement d'objectifs, donc SDG 6. Et le message principal que j'aimerais donner ici, c'est que les efforts doivent être accélérés de manière rapide. Nous avons trouvé qu'il y a eu beaucoup de potentiel à développer et pour développer des cadres régionaux pour accélérer donc la mise en place au niveau national et pour faciliter donc la participation de pays à pays et pour bien entendu soutenir la coopération. Et nous avons donc l'idée de pouvoir mobiliser 30 millions de dollars donc pour l'amélioration, le renforcement donc des efforts en Afrique
de manière à pouvoir, bien entendu, donc supporter donc, les différents objectifs, les pays, surtout pour les pays qui ont été identifiés au niveau de, du SDG 6. Donc le cadre d'accélération du SDG 6 et pour la prise d'action. Ici, au niveau local ou au niveau mondial, donc de pouvoir discuter des différentes possibilités qui nous sont offertes. Et bien entendu, au niveau, le cadre d'accélération du SDG 6, donc, bien entendu, donc c'est toujours dans le cadre de pouvoir l'accélération donc des efforts donc pour pouvoir supporter les pays à accomplir l'objectif de SDG 6. Et vous pouvez voir environ 100 actions qui peuvent donc constituer bien entendu un exemple pour vous, des actions à reprendre, des actions donc à mettre en œuvre. Je vous remercie. Donc, je vous remercie à tous et donc merci beaucoup Paul. Et maintenant, nous vous remercions de faire partie de ce webinaire. Je suis un associé au programme donc du SDG, du programme de soutien IWRM du SDG 6. Il y a le programme de soutien d'IWRM SDG 6 qui fournit du soutien aux pays qui en recherche. Donc, comme point d'entrée pour accélérer les programmes ou d'autres objectifs. Donc, ça, bien entendu, cela bénéficie du parrainage de partenariat mondial. Alors, parle de l'eau. Alors, prochaine diapositive. Alors, comment cela fonctionne? Alors, c'est structuré en trois étapes. Première étape, donc, se concentre sur l'identification des défis. Donc, et fondamentalement, nous faisons le contrôle et le rapport. Et donc, au niveau national, donc, au niveau des différents acteurs, pour évaluer les progrès. Alors, cette étape est généralement remplie par les gouvernements nationaux. Donc, nous venons d'avoir donc, le rapport de 2020, ce qui nous permet de pouvoir évaluer leur niveau donc, de mise en place donc, des objectifs. Alors, l'étape 2, c'est le développement des plans d'action. Donc, nous voyons concrètement donc, le développement des actions. Donc, pour donc l'étape 2, c'est pour pouvoir permettre au gouvernement de pouvoir développer des actions concrètes en vue de l'accomplissement des objectifs en question. Nous essayons de les organiser autour d'un plan d'action, donc pour bien entendu guider donc la mise en place de l'implémentation. Et la troisième étape, c'est de pouvoir mettre en place les solutions. C'est par exemple pour mettre en place des plans par rapport aux différentes étapes ou les différentes parties qui ont été identifiées au niveau de l'étape 2, de manière à pouvoir donc permettre à résoudre ces problèmes-là. Donc, et maintenant, cette diapositive montre les pays qui ont déjà bénéficié de notre soutien. Nous avons apporté notre soutien à 10 pays au niveau de l'étape 2. Et nous sommes en train de fournir du soutien à 3 pays de plus. Et environ 4 donc, qui sont en cours de pouvoir bénéficier de notre soutien à cette étape-là.
Et au niveau de l'étape 3, il y a 7 pays que nous avons jusqu'à présent fourni, auxquels nous avons fourni du soutien. Et nous pensons en acheter d'autres jusqu'à d'ici 2030. Alors, quels sont les outils qui sont disponibles pour soutenir les pays? Donc, il y a le paquet d'accélération IWRM. Et il y a également un cours gratuit sur Internet qui fournit donc, le document de guide pour ceux qui sont donc, intéressés à mettre en place le soutien. Et également, ils peuvent également rechercher un soutien technique. Et en plus, pour les gens qui sont intéressés à voir comment ça fonctionne, il y a sur notre site, il y a un moteur de recherche pour les actions du WRM. Donc, cela vous permettra de voir donc, à quoi ressemblent ces actions. Donc, cela permettra aux personnes qui sont impliquées au SDG 6 de pouvoir partager l'expérience. C'est une boîte à outils qui tourne autour de l'IWRM. Nous avons également vu qu'il y a beaucoup de demandes pour plus de soutien concret, donc non seulement au niveau global, mais également au niveau régional. Nous avons également surtout les pays de l'Amérique centrale. Donc, nous essayons de voir donc, comment ils avancent par objectif de l'IWRM. Et nous essayons de faire la même chose dans d'autres régions, par exemple, la Méditerranée de l'Afrique de l'Ouest, donc l'Asie du Sud. Donc, nous avons également vu et comme mon collègue Paul l'a mentionné, il y a certains domaines qui sont en retard. Donc, nous avons, par exemple, il y a des domaines qui sont en retard, par exemple, au niveau du genre, dans la question de genre, au niveau de l'IWRM, le processus des multi-acteurs. Donc, nous avons un guide d'un processus des multi-acteurs qui est organisé au niveau donc, et du contrôle et du rapport de l'SDG 6. Et nous avons également une initiative pilote au niveau du financement. Cette initiative se concentre sur comment nous pouvons mieux canaliser donc, le financement pour avoir des actions plus concrètes, donc pour mieux supporter les pays et pouvoir déverrouiller, débloquer donc, le financement. Et finalement, nous avons une autre initiative qui vise à améliorer le partage des données. Et cette initiative porte le nom de WISE Initiative. Prochaine diapositive. Merci beaucoup de votre attention. Et comme le nom l'a dit, donc le programme de soutien est là pour aider les pays. Donc, nous envisageons de pouvoir avoir donc, plus de collaboration avec vous. Donc, n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation. Et c'est le point où nous, bien entendu, accueillons les questions au niveau du public. Nous avons quelques questions au niveau donc, du groupe, du chat. Au fur et à mesure que nous avançons, donc, nous allons donc, faire en sorte de pouvoir y répondre à certaines d'entre elles. Donc, d'abord, il y a eu... Est-ce que la gestion de l'eau donc, inclut la gestion des eaux de pluie également?
Et oui, ma réponse a été que les eaux de pluie font partie donc, des outils de gestion. Il y a une question également donc, par rapport au plan de gestion des eaux de pluie. Juste pour aller donc, au niveau de certaines questions ouvertes, donc, j'aimerais adresser pour le dernier à une question par rapport aux principaux obstacles donc, qui sont la portée politique et le financement. Donc, les deux parties, les politiciens, alors nous savons ce que nous devons prendre, alors prendre deux. Alors, Paul, je vous laisse donc de pouvoir répondre à cette question. C'est une question très intéressante. Merci pour la question. Je ne sais pas si nous pouvons les retrouver, mais l'un des points clés de ma présentation, c'est que nous avons besoin de nous concentrer comme une communauté, d'être capable de pouvoir mieux communiquer les valeurs et de la mise sur pied, donc de la gestion de l'eau. Et je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de ma présentation. Donc, sachant qui fait partie du public, et nous avons de très bons exemples par rapport à ce qui se fait actuellement au Kenya, donc par rapport à la négociation des budgets. Cela a permis, bien entendu, permis une augmentation significative au niveau du financement. Donc, nous pensons que, bien entendu, tout dépend du pays, du contexte du pays. Donc, être impliqué et être capable de communiquer avec le ministère des Finances, donc cela permettra d'avoir une meilleure réponse par rapport à tout cela. Donc, merci de cette réponse. J'aimerais passer le micro à Maya pour la prochaine question. Je vois que vous répondez maintenant. Donc, il y avait une question par rapport à pourquoi il n'y a aucun rapport régional pour de l'Asie du Sud-Est. Pour l'Arabie Saoudite. Je crois qu'il y a. Maintenant, j'espère que actuellement, du 21 au 20 au 23 septembre, donc cela permettra de pouvoir. Alors, nous préparons cela. Donc, au niveau de cette date-là, donc il y aura un rapport donc disponible et à partir de cette date-là, ce sera. Alors, il y a déjà un rapport qui est déjà disponible. Donc, sur le niveau du portail du GIR, donc il est possible de pouvoir donc voir un rapport préliminaire, mais le gros du rapport sera disponible à partir du 23 septembre. J'aimerais poser une question à l'un des panélistes. Nous avons eu des progrès. Alors, nous voyons déjà que les progrès ne sont pas accomplis par rapport à la vitesse de nos souhaiterions que cela se fasse. Donc, quels sont les défis qui posent le plus de problèmes par rapport à la mise sur pied dans des objectifs? Merci. D'abord, oui. Donc, les défis dont nous parlons est vraiment spécifique, donc tout dépend du pays. Et par rapport à la position du pays, par rapport aux opportunités qu'il a et les défis auxquels donc, il fait face. Donc, bien entendu, donc, il y a des programmes de soutien. Nous essayons vraiment de voir donc, et pouvoir personnaliser comment un pays peut accélérer son progrès. Et cela nécessite une approche sectorielle pour trouver des réponses parce que
l'on travaille ensemble. Et bien entendu, donc c'est le rapport à l'engagement, les finances. Et c'est une très bonne réponse, c'est exactement, c'est très spécifique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou bien est-ce que vous pensez pouvoir donc et ajouter quelque chose d'autre par rapport à cela? Non, définitivement, je suis d'accord. Je pense que peut-être ce que nous pouvons tirer des réponses du sondage et oui, des Foucault nationaux, c'est que, bien entendu, la première chose, mais la principale chose, c'est la volonté politique. Il y a beaucoup de façons de pouvoir donc, atteindre ou bien atteindre les objectifs durables donc, de la gestion de l'eau au niveau des pays, mais la plupart du temps, c'est difficile pour les acteurs individuels. Alors, donc, ce sont des politiques de gestion de l'eau qui doivent être impliquées à tous les niveaux. Et nous essayons de décomposer tout cela au niveau de différentes sous-parties, donc de ce qui doit être fait au niveau des différents aspects de la gestion de l'eau, mais la manière dont on le voit, donc je pense que cela peut être utile. Mais si nous pouvons rendre cela plus pragmatique, donc ce que cela veut dire réellement sur le terrain, donc pour avoir par exemple des plans d'action, donc cela peut ne pas être ce grand plan d'implémentation, mais c'est pouvoir décomposer au niveau local et national donc des différentes approches. Donc, par exemple, l'aspect sur le genre est une première étape. Donc, je pense que la volonté politique a beaucoup à voir avec ça, donc pour permettre d'aborder les différents défis sur le terrain. Merci, Maya. Et maintenant, on va passer à la prochaine question. Donc, Paul, j'aimerais que vous nous donniez votre opinion par rapport à ce que Sandra et Maya viennent de dire. Il y a eu une référence par rapport à réponse pragmatique. Donc, est-ce que vous pourriez donc inclure ces deux éléments dans votre réponse? D'abord, pour refléter ce que Sandra et Maya ont dit, donc je suis d'accord avec elle, peut-être. Je peux le faire l'approche sur un axe différent. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui peuvent être faits par rapport aux pays voisins. Alors, par rapport aux pays voisins, je pense que c'est un angle régional. Donc, je pense qu'une approche sur un angle régional peut être bénéfique à beaucoup de pays. En partage d'expérience, je pense qu'il y a des précédents et je pense qu'une organisation donc régionale peut vraiment aider à la facilitation de tout cela. Et pour les pays eux-mêmes, pouvoir chercher. Yeah. Donc, de pouvoir donc, chercher donc, et pouvoir donc, se référer à une coordination régionale. Par exemple, pour avoir un exemple pratique, dans le rapport au niveau du chapitre 5, donc, qui survole différents aspects, par exemple, au niveau de la gestion des données, donc pour la coordination entre les différents secteurs, nous avons eu donc, quelques critères liés au succès, donc qui soulignent les données donc, fournies par rapport aux réponses des pays par rapport aux différents défis. Et cela nous permet d'avoir un point de départ. Si, par exemple, je parle également de la prochaine. Alors, de la boîte à outils de l'IRWM qui fournit donc plusieurs études de cas utiles, expériences. Et nous avons cette communauté donc, de pratique où les gens ont la possibilité de pouvoir donc partager l'expérience. Donc, merci beaucoup. Donc, j'espère que la boîte à outils, donc l'IRWM, donc, sera en ligne à partir de décembre.
Et nous avons également le temps de prendre une autre question et je passerai le micro à Maya. Donc, c'est une question pas pour un pays particulier qui a un score final, donc allant de moyen à élevé. Alors, donc, et comment alors un pays peut améliorer, donc, par exemple, le financement par rapport à les RWM? Bon, c'est parce qu'il y a, bien entendu, un manque de financement dédié pour les RWM. En général, nous essayons de voir au bon niveau de l'assainissement de l'eau et du financement au niveau pour l'assainissement de l'eau. Et ce que nous avons remarqué, c'est que donc si nous manquons, alors le manque de financement est un souci, mais cela peut être amélioré grâce à une meilleure coordination, par exemple. La gestion donc du secteur de l'énergie. Donc, il y a du potentiel pour maximiser donc une utilisation efficace, efficiente de ces ressources. Il y a beaucoup d'exemples. Nous pouvons regarder, par exemple, l'établissement un paiement pour les adhérents, arrangements des services d'écosystème. Ou bien la restauration des écosystèmes, donc, ou du moins c'est la mise sur pied de meilleures activités agricoles. Je pense que nous pouvons également, les différents secteurs peuvent y mettre du sien par rapport à de nouveaux moyens innovants pour pouvoir donc permettre un meilleur financement. Bien entendu, alors à la fin, nous allons partager les contacts qui permettront de pouvoir contacter les différentes personnes concernées s'il y a d'autres questions et j'espère qu'il y en aura. Alors donc pour vous qui avez assisté à cette présentation, qui aimeriez approfondir, donc où est-ce que vous pourriez vous rendre? Donc, bien entendu, je voudrais donc mettre l'accent sur des ressources clés. Par exemple, bien entendu, le portail de l'IRWRM, donc, il a toutes ces informations qui vous permettra, de pouvoir donc avoir une vue donc de toutes ces informations, toutes ces données pour le rapport 2020 et vous aurez accès également aux données régionales, également au résumé au niveau national que vous, les acteurs, donc, et toutes ces données sont accessibles au portail et ceci dans cette langue. Et vous avez également des informations par rapport aux différentes activités qui seront organisées. Et bien entendu, donc, il y a également des liens donc, sur le site vers d'autres mises à jour par rapport aux différentes activités qui seront menées. Et vous pouvez voir des vidéos des pays et vous pouvez voir, par exemple, nous avons parlé des plans d'action. Il y a l'outil donc, de recherche des plans d'action. Vous pouvez voir donc, des plans d'action spécifiques qui ont été mises en place. Vous aurez accès à des rapports, aux événements ou bien des prochains webinaires. Et si vous avez des questions spécifiques ou bien si vous cherchez des informations spécifiques, donc bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est tout de mon côté. Je vous dis merci et maintenant je passerai donc la parole à mon collègue, le chef de l'UNFDHI.
Merci, Joachim. Donc, merci de pour cette séance très intéressante. Il y a beaucoup. C'est très riche en termes de ce qui est en train d'être communiqué, mais j'aimerais mettre l'accent sur certaines choses. Ce que nous avons vu, c'est que nous faisons des progrès. Nous avons eu 5% d'augmentation. Donc, nous passons de moyen à moyen élevé. Donc, nous pensons pouvoir donc, le doubler, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons eu de très bons exemples de pays qui ont eu fait d'énormes progrès. Maintenant, nous avons maintenant une meilleure compréhension de ce qui nous retient et ce qui nous permettra de pouvoir avancer. Je pense que quelques pays ont fait des efforts considérables dédiés, ont mobilisé donc différents acteurs pour s'aligner au niveau des ministères et pour accomplir des progrès. Il y a bien entendu des ressources et des outils disponibles et vous avez vu donc le paquet d'accélération. Donc, et cela, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir donc faire partie de cela et de s'engager avec nous pour le succès de ce programme. Ce que je pense par rapport à tout ça en pratique, c'est que donc ce qui mobilise, qu'est-ce qui mobilise donc la volonté politique? Donc, ce que nous voyons souvent, c'est que donc la gestion des terres, la gestion foncière au niveau des différents secteurs, par exemple de l'énergie, l'industrie, donc l'approvisionnement en eau, la conservation de la nature. Donc nous voyons que tous ces secteurs-là donc, font ce qu'ils ont toujours fait. Ils ne font pas les actions que nous souhaitons qu'ils accomplissent. Nous espérons qu'ils puissent comprendre donc les causes et effets de leurs actions et pouvoir coordonner avec nos efforts. Donc, c'est ce que nous voudrons qu'ils puissent faire. Donc, nous souhaitons à ce que cela soit pratique lorsque nous parlons de la volonté politique. Maintenant, je suis content. Je suis vraiment content de pouvoir mettre fin à cette séance. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de ressources donc, qui sont disponibles. Et bien entendu, je vous invite à rester de nôtre et de pouvoir visionner donc, notre vidéo, donc finale. In today's interconnected world, we face complex challenges. And at the heart of that, there is one element that connects us all. Water. Every year, we use more water, yet global availability is constant. If we don't act soon, by 2050, water scarcity may threaten up to 5 billion people. In 2015, the global community agreed on a unified agenda to solve these challenges. These common objectives are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. These goals should be achieved by 2030. Like water, they are all integrated. We can achieve them if we come together to manage our limited water resources like never before. That's why UNEP, UNEP GHI Center, CAPNET, and GWP have joined forces to establish the SDG 6 IWRM Support Program, a platform to accelerate and coordinate effective action. Different stakeholders, but together they have a common goal: to understand the water-related challenges, design viable solutions for them, and implement integrated responses to help countries achieve the SDGs. Joining the dots between countries facing similar challenges, helping them to act locally, achieve their national targets, and link them to a global movement. Come together, be a part of the solution.
Okay, thank you everybody. Thank you, Colin. Merci tout le monde. Merci Paul, merci Colin, merci Sandra, merci Mara. Merci à tous les participants de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et en venant dans FUNEP, maintenant je déclare que cette séance est terminée. Au revoir tout le monde.